Comment on veut vivre, c'est ce qu'on veut vivre. Et est-ce qu'on veut que ce soit vivable pour les générations futures? Vous avez raison, la notion d'espace vert est plus tellement pertinente. Le PLU de Paris parle de pleine terre ou de coefficient de biotope pour compenser la pleine terre quand on ne peut pas l'avoir. Mais c'est ce qui compte, ce sont les services écosystémiques qui sont rendus par le milieu et entre autres par les sols. Avec toute la, il y a plus de biodiversité dans les sols qu'il y en a en dehors des sols. Notre destin commun avec la biodiversité est évident. Enfin, si vous supprimez les pollinisateurs, vous avez 80% de l'agriculture qui n'existe plus. On ne peut plus séparer les dimensions sociales, les dimensions de solidarité, entre autres, avec les générations futures. On ne peut plus le séparer des questions environnementales. C'est le même sujet. Et c'est un sujet, effectivement, qui nécessite d'avoir de la convivialité, d'avoir du lien social et de la coproduction, une nouvelle façon de vivre ensemble. Mais pour ça, il faut identifier quand même les grands invariants, les grands qui sont dans l'urbanisme et souvent qu'on n'a pas vu. Et je pense qu'ici, il y a quand même une magie, il y a quand même des choses symboliques qui sont ces coteaux. Et ça, il faut l'identifier pour après pouvoir décliner dessus effectivement un nouveau rapport avec l'agriculture, un nouveau rapport avec l'agriculture de proximité, un nouveau rapport avec le vivant, avec la forêt. Et je pense que moi, si je suis très passionné par votre ville, c'est parce que je crois que vous êtes un point d'articulation complètement stratégique. Nous, on va intervenir, vous savez, avec le schéma de cohérence territoriale de la métropole est en cours d'élaboration. Et on va demander quoi? On va demander à ce qu'on respecte la nature qui, au triangle de Gonesse, l'agriculture rentre, pénètre dans la ville. On va défendre des choses comme ça. C'est pour qu'il y ait un linéaire plus grand de contact des métropolitains avec les éléments naturels, justement pour avoir ces valeurs d'éducation, de formation, de sensibilisation, une nouvelle approche. Et je pense que c'est pas inintéressant du tout que la ville ait postulé pour réinventons la métropole, parce qu'effectivement, vous êtes particulièrement bien placé pour la réinventer.